Voilà, bonjour, merci, bienvenue ici au stade Idriss Fall, plus connu sous le nom de Caen Les Clercs pour le décompte de la demi-finale qu'oppose l'équipe junior, c'est le compte de la demi-finale, l'équipe junior, voilà, Sports AC contre l'équipe Oslo FA. Voilà, les 22 acteurs sont déjà sur la pelouse. Je ne serai pas seul sur ton commentaire et désolé du retard. L'équipe, le feuille de match sera présent dans quelques instants. Et je ne serai pas seul et je serai accompagné d'un de mes consultants que je vais laisser dans un instant se présenter. Voilà, comme vous le voyez à l'instant même, les 22 acteurs, c'est la présentation des deux équipes. L'équipe d'Oslo, comme vous le voyez dans votre écran, l'équipe d'Oslo habillée en maillot jaune, short noir et bas jaune, contrairement à l'équipe du sport habillée en rouge et blanc. Maillot blanc et rouge et sort rouge, bas rouge. Voilà, sans un instant, le coup d'envoi sera donné par l'arbitre et je vais laisser à mon consultant de se présenter. Bonjour. Voilà, l'équipe d'Oslo est à droite de votre écran, contrairement à l'équipe Sportsay qui est à gauche de votre écran, habillée en jaune et noir. Vous le voyez à l'instant même, dans quelques instants, l'arbitre va donner le coup d'envoi de cette rencontre. Comme on dit, c'est l'équipe Sportsay. Voilà, sera donné par les blancs, rouges ou bien par les rouges et blancs. La feuille sera disponible dans quelques instants. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, il y a un petit remaniement sur le banc de l'équipe d'Oslo. À l'instant même par l'équipe adversaire. Et c'est centré vers Pape Ali Fall. Malheureusement, non. Il y a Mortala qui récupère la balle. Attention, première tentative, frappe contrée. Première grosse alerte du côté de l'équipe adverse. Attention, deuxième frappe au-dessus de la barre transversale de Khadimba. Voilà, Khadim Baki va jouer son 5m50. Et c'est Khadim qui va jouer son 5m50. Il y a un petit remaniement. Il aperçoit du côté de l'équipe. Thank you.
ballon avec l'équipe adverse. Voilà, c'est le gardien qui va jouer avec son défenseur central de Sardin, numéro 3, qui va dégager dans ce ballon complètement aérien. Voilà, ballon, attention et coup franc sur Morta Alaka. Qui va jouer entre Mortala et Pape Khalifa. Voilà, Mortala qui va jouer avec Khalifa Babacar de l'autre côté. Ballon, ça tourne bien du côté de l'équipe des jaunes et noirs des académiciens. Ballon perdu avec Baba Ndiaye. Mohamed Baba Ndiaye ou bien Mamadou Baba Ndiaye. Voilà, coup franc pour l'équipe du sport. Un peu lointain qui n'est pas un danger pour l'équipe adverse. Et c'est centré, la sortie du gardien Samba qui va dégager, voilà, qui va prendre son temps et qui va dégager le plus lointain possible. Malheureusement, c'est repoussé par la défense de l'équipe adverse et ce sera un touche. Tous rapidement exécuté vers Khalifa Babacar qui va contrôler et qui va s'appuyer avec Morta Alaka. Morta Alaka, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer avec Pape Khalifa. Pape Khalifa. Pape Khalifa, qu'est-ce qu'il va faire? Pape Ali pour Mohamed Rachid Ndiaye. Mohamed Rachid qui va dribbler, qui va jouer à s'appuyer sur Ousmane Diassi. Ousmane Diassi qui préfère revenir en arrière vers Morta Alaka. Morta Alaka qui va dégager vers Mamadou Lamine Diatta. Mamadou Lamine Diatta, attention, le jaillissement du gardien de l'équipe adverse pour récupérer le ballon. Voilà, c'est dégagé par le gardien de l'équipe de CLFC. Voilà, toujours avec ballon encore dégagé, repoussé, complètement perdu. Et à Khalifa Babacar pour protéger le ballon, pour laisser à son gardien de récupérer le ballon. Il va récupérer le ballon facilement. Et qui va dégager. Et va centrer et contrer. Encore une touche pour l'équipe d'Oslo. Rapidement, encore centré vers Mamadou Lamine Diatta, mais malheureusement, non. Et il y a une position de jeu, estime l'arbitre. Ballon repoussé par Pape Khalifa vers Mohamedou Gueye. Mohamedou Gueye qui s'appuie également vers Morta Alaka. Morta Alaka pour Khalifa Babacar. Khalifa Babacar qui s'appuie sur son gardien de but. Qui va dégager vers Ousmane Diassi. Mamadou Lamine Diatta qui était trop court pour lui. Cette action est repoussée par la défense encore. Ballon toujours. Mamadou Lamine Diatta qui s'abat pour récupérer le ballon. Et duel gagné à l'action qui va jouer avec Mohamedou Gueye. Mohamedou Gueye de l'autre côté vers Mohamed Baba Ndiaye. Baba encore attention perdu. Malheureusement, non. Et Khalifa Babacar qui est là pour récupérer le ballon. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer de côté vers Pape Khalifa qui va jouer en une touche vers Ousmane Diassi. Et ballon récupéré encore par Pape Khalifa. Pape Ali qui va jouer avec Mohamed Rachid. Mohamed Rachid, attention, et qui perd le ballon. Ballon duel dans les lignes, dans la ligne médiane. Toujours et coup franc provoqué par Mohamed Rachid Guissou Ndiaye. Coup franc pour les rouges et blancs. Et attention,
l'équipe d'Oslo aura coup franc mal tiré et c'est récupéré par Ousmane Diassi qui va essayer de partir. Ousmane Diassi qui laisse son coéquipier derrière. Ousmane Diassi qui se bat pour aller. Attention, passe raté, récupéré encore de la gauche vers la droite. Attention, centre vers Mohamed Lamine Diarra qui réclame. Poussé par le gardien. Encore une raquette reprise, repoussée par le gardien. Et encore première grosse alerte du côté de l'équipe adverse, de l'équipe d'Oslo. Sur la frappe de Yorosen, repoussée par le gardien. Sur une passe, requête de Mohamed Lamine Diatta. Et ce sera un 5m50. C'est pas fini, marquage de l'attaquant. Ballon toujours avec l'équipe de CLFC. Le gros pressing. Et ce sera un touche pour l'équipe d'Oslo. Ballon encore qui va se jouer. Attention, et ce sera un corner, premier corner pour l'équipe d'Oslo. C'est de la droite vers la gauche. Déjà 6 minutes de jeu, toujours 0 but partout. Pour ceux qui nous viennent de nous prendre en compte, c'est le demi-finale du Coupe du Sénégal. Corner de la droite vers la gauche. Du Sénégal junior et l'arbitre qui est en train de temporiser les adeptes. Le coup franc qui sera tiré, mal tiré et se repoussé par la défense de l'équipe adverse. Ballon toujours encore vers Pape Ali Fall qui va essayer de jouer. Pape Ali qui va centrer, encore contré par la défense de l'équipe. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de jouer dans l'entrejeu et c'est dégagé finalement pour écarter le danger et ce sera une touche pour l'équipe d'Oslo encore. Touche pour Ousmane Diassi qui va jouer vers Mortalaka. Mortala, qu'est-ce qu'il va faire? Mortala qui va jouer avec son gardien Harim. Harim Samba, du moins ça. Samba qui va jouer encore vers Mohamed Lamine Diatta. Mohamed Lamine Diatta de la gauche vers la droite, un contre un, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'appuyer sur Pape Ali Fall. Pape Ali Fall qui va essayer de centrer encore lui aussi vers Yoro, qui perd la frappe encore de Yoro, encore contré, toujours ballon avec, perdu finalement, encore duel dans l'entrejeu, ballon toujours avec l'équipe du Sahel. Le marquage de Mohamed Rachid qui va gagner un coup franc sur le dossard numéro 13, Mohamed Rachid Ndiaye. Encore Mortalaka qui va jouer avec. Mohamed Baba Ndiaye. Pape Ali Fall. Pape Ali, qu'est-ce qu'il va faire avec nous? C'est pas trop pour le moment. Ballon avec la défense récupéré par Baba Ndiaye. Baba pour Khalifa Babacar. Khalifa Babacar encore pour Mortalaka. Mortala, attention, malentendu entre Khalifa Babacar et Pape Ali Fall et tout. Dossard numéro 13 de l'équipe de Sahel qui va dégager avec le dossard numéro 12. Tout ballon récupéré encore. Ballon perdu finalement récupéré par l'équipe d'Oslo. Mortalaka qui va s'appuyer avec son gardien. Dégagement vers Mohamed Lamine Diatta. Contrôle et couvre. L'arbitre qui laisse jouer l'avantage. Il y a Diassi qui est là pour récupérer le ballon. Ousmane Diassi encore pour Yoro. Pape Ali Fall. Pape Ali. Mohamed Lamine Diatta. Ça combine bien entre Diassi qui va changer de côté. Encore ballon toujours. Et finalement, il y a Diassi qui est là. Encore perdu. Et ce sera un coup franc sur Ousmane Diassi. Rapidement joué. L'arbitre qui demande de revenir. Arbitre Binéna qui est délu sur Tegat coup franc. Coup franc pour l'équipe d'Oslo. Qui va jouer avec Mohamedou Gueye. Centré, encore repoussé par la défense. Ousmane Diassi qui perd le ballon.
Toujours ballon encore. Ballon. Déjà 11 minutes de jeu, toujours 0 but partout entre l'équipe CLFC et l'équipe d'Oslo. Comme vous le voyez, ballon avec Papa Ali Fall du côté de l'équipe d'Oslo. 0 but partout pour le compte de demi-finale Coupe du Sénégal Junior. Voilà, c'est l'équipe d'Oslo qui garde le ballon, qui temporise et qui essaie de dérouler, mais toujours pas d'ouverture du score entre les deux équipes. Ballon avec l'équipe du CLFC Rouge et Blanc qui vont essayer de repartir sur la ligne médiane. Marquage, et ce sera une touche sortie. Avec une pressing de Mohamedou Gueye qui va permettre à l'équipe d'Oslo de mettre le ballon hors du terrain. Allez, Yereko Gissondo, non, non, touche là pour l'équipe CLFC. Jomio touche Balbinon de l'autre côté. Rinke Wache jusqu'en défense. Ils vont essayer de jouer avec leur gardien de but qui va essayer de jouer avec son latéral. Ballon avec les rouges et blancs. Yere Balbinon. Donc, il est dégagé vers le ballon, vers le dossard numéro 13 avec le marquage contré. Encore touche pour l'équipe du Sahel, exécutée par le dossard numéro 13, qui va essayer de jouer le plus loin possible. Il y a Mortalaka qui est là pour bien se défendre, pour, qui va défendre et qui va dégager le ballon vers Ousmane Diassi. Ousmane Diassi sur la ligne médiane qui va essayer de partir. Ousmane Diassi vers Mohamedou Gueye. Mohamedou Gueye sur la ligne médiane vers Baba Ndiaye. Baba qui va essayer de s'envoler. Baba, Mohamed Baba Ndiaye qui va centrer vers Mamadou Lamine Diatta. Et c'est coupé directement dans les bras du gardien. Dégagé. Récupéré par Baba Ndiaye sur la ligne médiane qui va jouer vers Yoro Sen qui va essayer de partir de la droite vers la retrait. Et Mohamed Lamine Diatta qui était en retard sur un retrait de Yoro Sen. Et ce sera une touche pour l'équipe d'adverse. Ballon encore avec l'équipe du Sahel qui va dégager. Il y a Papa Mortala et Khalifa Babacar. Non, ça combine bien. Ça, non, attention. Et Khalifa Babacar qui est là, qui est très vigilant, qui va jouer avec Baba. Papa Ali Fall contrôle avec la tête, malheureusement. Oui, il y a Ousmane Diassi qui est là. Papa Ali Fall encore pour Diassi. Diassi pour Mohamedou Gueye. Mohamedou Gueye contré et perdu. Et ce sera une touche pour l'équipe d'Oslo. Le Tachnus mène souffler tout y. Paul Nunigé Nebali touche Pap Ali Fall vers Mortalaka. Mortala pour Samba. Batima Samba Balo qui va dégager le ballon. Encore Mohamed Rachid est là pour Jair, pour récupérer le ballon, pour jouer avec Ousmane Diassi. Ousmane Diassi qui va changer vers Mohamed Baba Ndiaye. Baba qui va jouer de l'autre côté. Attention, qui va essayer de partir de la droite vers la gauche. Attention, rentrée capté par le gardien dans les airs. Une très bonne prise de balle. C'est dégagé. Mortalaka qui va préférer jouer avec son gardien, avec un coup de tête. Mokel Noko Golbi Boudia Pogodbous. Et c'est le dégagement. Toujours 0 but partout. On est à la 15e minute de jeu. Et le gardien de l'équipe du Sahel est blessé. Il reste. Partie actuellement interrompue car le gardien de l'équipe du Sahel est couché et est resté à terre. Goal équipe adverse Fafa Gagnou. Et Migui Tel de Fatkati, Digi Dougou du Kohol. Pour rappel que nous sommes en direct ici au camp Idrissa Fall, plus connu sous le nom de camp Leclerc, pour le compte demi-finale Coupe du Sénégal Junior Sahel FC.
en blanc et rouge, et l'équipe d'Oslo en leur, avec leur couleur habituelle jaune et noir. Pour le moment, 0 but partout. On est à la 15e minute de jeu. Toujours le gardien de l'équipe de CLFC est à terre. Voilà, le gardien toujours aux soins. Toujours blessé et resté aux soins. La partie a tellement interrompu, toujours 0 but partout. On est en demi-finale Coupe du Sénégal, Junior. Les 11 partants de l'équipe de CLFC et c'est Momadou Gueye, le gardien de l'équipe de CLFC, qui est blessé à l'instant même que vous voyez dans votre écran. Il y a le dossard numéro 12, Abdouaziz Kandi, numéro 5, Pape Omar Nyingue, numéro 4, Dame Diop, numéro 13, Momadou Lamine Sonko, numéro 18, Cheikh Tidiane Gaki, numéro 6, Birana Sissé, numéro 15, Abdoulaye Sissé, numéro 17, Cheikh Ibrahim Gueye, numéro 7, Momadou Dabo, numéro 9, Momadou Bilo Diop sont les 11 partants de l'équipe avec beaucoup de remaniements. Il y a Samba Mbalo sur le casque, comme je viens de vous le dire. Il y a Dossard numéro 12, Khalifa Babacar Diouf numéro 6, Mortalaka numéro 19, Pape Ali Fall numéro 2, Momadou Baba Ndiaye numéro 13, Mohamed Rachid Gessoum Ndiaye numéro 38, Mohamed Gueye numéro 26, Momadou Lamine Balde, numéro 27, Ousmane Diassi, numéro 17, Momadou Lamine Diatta, et le numéro 19, 40, Yorosen. C'est reparti à l'instant même avec le ballon pour l'équipe du CLFC qui va essayer de centrer et c'est repoussé par Mortalaka. Ballon toujours avec l'équipe du CL qui va essayer de revenir avec le Dossard numéro 13 qui va centrer. Et c'est Lamine Sonko toujours récupéré. Marquage de Mohamed Rachid Ndiaye, l'arbitre qui laisse jouer l'avantage. Mohamed Rachid Ndiaye qui va récupérer le ballon, qui va jouer avec Lamine Balde de l'autre côté. Momadou Lamine Balde qui va essayer de partir de la droite vers la gauche. Attention, un contre un qui va essayer de récupérer et va centrer, qui est en retard. Ballon avec l'équipe du CLFC encore qui va essayer de rappeler une jolie tacle de Baba Ndiaye pour mettre le ballon hors du terrain. Sur le banc de l'équipe d'Oslo, il y a Khadim Ba, Jean-Pascal Mendy, Moustapha Koli, Seigne Fallou Diallo, Bob Gueye, Pape Malick Sall et Ibrahim Fall Faye. L'équipe est conduite aujourd'hui par Amadou Fall A. Ballon avec l'équipe du CLFC avec le dossard numéro 12 qui va essayer de prendre Abdouaziz, récupéré par Khalifa Cheikh Rachid Ndiaye. Rachid pour Baba Ndiaye, Baba pour Khalifa Babacar Diouf, Khalifa Babacar qui va jouer avec Mortalaka. Mortalaka pour Pape Ali Fall et ça tourne très bien du côté de l'équipe FC qui vont essayer de faire du tiki-taka. Voilà, Mortala pour Samba Mbalo, Batima Samba qui va prendre son tempo pour dégager le ballon. Il va jouer avec Khalifa Babacar Diouf. On est à la 20e minute de jeu, 0-0 toujours. Ballon récupéré par Lamine Balde. Momadou toujours, marquage de Mohamedou Gueye. Mohamedou Gueye qui va jouer avec Ousmane Diassi. Ousmane Diassi qui va jouer encore vers Pape Ali Fall. Pape Ali qui va essayer de partir. Un contre un. Frappe contrée. Et tous finalement pour l'équipe d'Oslo. Tous rapidement exécutés. Et le marquage de Rachid Ndiaye. Duel gagné. Perdu finalement. Récupéré par l'équipe du CLFC. Marquage de Mohamedou Gueye. Ballon n'est pas sorti. Mohamed Rachid Ndiaye qui va jouer vers Momadou Lamine Balde.
Ballon toujours avec l'équipe. Attention, et l'arbitre qui ne dit rien. Ballon toujours avec l'équipe d'Israël qui va tourner 1 à 1. Et le marquage, jaillissement vers de Mamadou Gueye. Mamadou Gueye qui récupère le ballon. Passe, non, pas de combinaison. Et le marquage de Rachid Diaye et coup franc. L'arbitre qui va donner un coup franc, qui va donner un carton jaune à Rachid, Mohamed Rachid Guessoum. Carton jaune évidemment à Mohamed Rachid Ndiaye. Tu coup franc Bimoudef. Abdelaziz Kandi, coup franc pour l'équipe de Serre, rapidement joué avec le dossard numéro 6, Biran Cissé, qui va changer de côté. Encore tous pour l'équipe de CLFC. Gojerda et marquage perdu qui va essayer de centrer. Attention! Il y a Ousmane Diazi qui est là, qui va jouer avec Samba Mbalo pour écarter le danger. Mamadou Lamine Diatta. Mamadou Lamine Diatta et coup franc. Coup franc. Ousmane Diassi qui va essayer de partir. Attention, l'arbitre qui ne dit rien. Le gardien de l'équipe du CLFC qui va dégager le ballon, qui va essayer de dégager, repoussé par Baba Ndiaye. Mohamed Rachid encore pour Khalifa Babacar Diouf. Mohamed Rachid encore pour Khalifa Babacar Diouf qui va dégager le ballon vers Mamadou Lamine Diatta qui va essayer de battre et c'était trop long pour lui. La sortie de Mamadou Gueye pour capter le ballon. Voilà, pause fraîcheur normalement. Oui, fraîcheur. On est à la 23e minute de jeu, toujours 0 but partout. Et l'arbitre vient de renvoyer les 22 acteurs à se rafraîchir, comme nous le savons. Comme l'anglais dans le cooling break, nous avons pause fraîcheur. Nous, toujours 0 but partout. Ce sera pour le moment Biran Diouf, le coach de l'équipe du Sahel, a replacé son troupe, lui-même que Amadou Fall Anne aussi. De replacer son troupe et de permettre à l'équipe de essayer de à eux équipe de d'ouvrir le score. Samba Mbalo, Khalifa Babacar Diouf, Mortal Kepap Ali Fall, Mamadou Baba Ndiaye, Mohamed Rachid Ndiaye, Mohamed Mamadou Gueye, Mamadou Lamine Balde, Ousmane Diassi, Mamadou Lamine Diatta et Yoro Sen. Voilà, ku ci nek dam nga jeli wat conseil defere wat say taxaway. Entraîneur yaangi defarat taxaway ku ci nek di wax ak say ndogn di len ñaaxat defarat système yi. Voilà, vous voyez Samba Mbalo qui va retourner à son poste, de même que aussi toujours la partie va reprendre et l'arbitre qui va effectuer la remise en jeu avec Mohamedou Gueye, le gardien de l'équipe du CFC, va dégager ballon. Khalifa Babacar Diouf qui va contrôler, qui va essayer de jouer avec Samba Mbalo. Samba Mbalo qui va contrôler
le ballon et qui va essayer de temporiser Samba Mbalo pour vers Ousmane Diassi. Ousmane Diassi ne contrôle pas Tirine. Ousmane Diassi va essayer de partir. Ousmane Diassi qui va essayer de changer. Attention, récupéré toujours avec Yorosen. Yoro pour Mohamedou Gueye. Mohamedou Gueye encore vers Pape Ali Fall. Attention, c'est un tacle. Ce sera un touche. Tacle de Mohamedou Lamine Sonko. Rapidement joué, Ousmane Diassi encore. Pape Ali Fall qui va centrer vers Mohamedou Lamine Baldé. Lamine Baldé qui se bat. Pas de solution. Il n'a pas encore de solution et qui va gagner un coup franc contre Baldé. Ce sera un coup franc contre l'équipe d'Oslo, coup franc pour l'équipe du Sahel. Malheureusement, les supporters ne sont pas contents. Coup franc rapidement joué vers le gardien Mohamedou Gueye qui va dégager vers le dossard numéro 12 qui va essayer de partir. Il y a Baba Ndiaye qui est là pour couper la trajectoire. Baldé encore qui s'abat. Lamine Baldé pour Mohamedou Gueye. Malheureusement, non, encore Baba Ndiaye est là qui va jouer avec Khalifa Babacar Diouf. Mohamedou Gueye qui préfère revenir en arrière car il n'a pas de solution. Khalifa Babacar pour Mortala qui s'appuie sur son gardien Samba Mbalo. Samba qui va dégager et ce sera une touche derrière Pape Ali Fall. Ballon toujours. Et ce sera, attention, qui va essayer de partir. Attention, Abdelaziz, attention. Et ce sera une touche. Il faut faire attention, ce sera un corner. L'arbitre désigne un point de corner. C'est l'une des grosses occasions pour l'équipe du Sahel FC. Corner venant de la droite vers la gauche. C'était un brutal loan, coupé trajectoire. Et ce sera tiré par Mohamedou Lamine Sonko. De l'équipe Sahel FC. Et l'arbitre qui va essayer de temporiser. Calmer. Nadj Bekhawa Tang sur ñom. Voilà. Coup franc. Tiré. Par son coup dévié, attention et coup franc. Pas de danger et ce sera un coup franc pour Samba Mbalo qui va jouer avec Khalifa Babacar qui s'appuie encore sur son gardien Batchima Samba pour Lamine Baldé. Lamine qui va jouer avec Yoro. Yoro qui va essayer de partir en une touche. Attention, vers la gauche. Un contre un. Attention, pousse-puis au pneu. Yoro Sen. Pousse-puis au pneu. Et ce sera en 5m50 rapidement joué avec l'équipe d'Israël qui va essayer de partir cette fois-ci de la gauche vers la droite. Avec Aziz Kandi de l'autre côté. Face à Khalifa Babacar qui récupère le ballon facilement, qui va dégager. Et ce sera une touche. À la 30e minute de jeu, 0 but partout. Bataille Kel Lakagoul Tiahi, toujours ballon encore avec le dossard numéro 7 face à Khalifa Babacar. Il va essayer de centrer directement capté par Samba Mbalo. Rapidement joué avec Ousmane Diassi pour Mohamedou Lamine Diatta. Mohamedou Lamine Diatta sur la ligne médiane. Mohamedou Lamine Diatta face à l'arbitre qui préfère revenir en arrière. Évidemment. Et l'arbitre, qu'est-ce qu'il attend pour donner un carton? Coup franc sur Mohamedou Lamine Diatta, blessé et qui reste à terre. Évidemment, coup franc. Pape Ali Fall à Mortalaka, Khalifa Babacar Diouf vers Mohamedou Baba Ndiaye qui va dégager vers Yoro Sen encore. Qui va récupérer le ballon. Yoro qui gagne. Attention, et coup franc bien placé sur Yoro Sen. Coup franc à l'entrée de la surface. Sur Yoro Sen. Et coup franc bien placé pour l'équipe d'Oslo.
puis partout. Avec l'équipe d'Oslo qui va tirer ce coup franc entre Pape Ali Fall et Diassi et le gardien Mamadou Gueye de l'équipe de Sahel qui est en train de placer son mur. Trois personnes qui barrassent lui et on va assister à ce coup franc. Sera tiré par Pape Ali. Attention, la frappe! Jolie claquette du gardien Mamadou Gueye qui coupe la trajectoire du ballon. Claquette Nabal Mouguene et ce sera un corner pour l'équipe d'Oslo. Cette fois-ci c'est de la droite, encore toujours de la droite vers la gauche, rapidement joué, encore ballon avec l'équipe d'Oslo, encore la frappe repoussée par le gardien, encore Mamadou Gueye, encore toujours récupéré par Rachid. Il y a Ousmane Diassi encore qui est là sur la ligne médiane qui s'abat. Et le gardien de l'équipe du Sahel qui a fait un double parade, coup franc, Bibo Klaketko, encore une deuxième tentative repoussée par le gardien de l'équipe du Sahel qui est en train de sauver les siens. Ballon, Pape Ali Fall perdu, qui s'abat et ce sera une touche. Touche sera exécutée par Mamadou Lamine Sonko. Et le gardien encore est couché de l'équipe du Sahel, encore couché à terre. Deux actions, il va enchaîner, il s'est blessé sur le coup franc et l'autre sur l'action de cette action et il est couché. Nerangalagne, il est blessé et son coéquipier Pape Oumar Ningu Nyaona Kholko. Toujours zéro but partout ici au stade, sur le camp Idriss Fall, connu sur le camp L'Éclair. Voilà, le gardien, plus de peur que de mal, il va se relever. Mon Mamadou Gueye. Le gardien de l'équipe de Sahel qui a sauvé ses coéquipiers sur une action. Voilà, pour le moment, la partie n'est pas guette. Voilà, le gardien va se relever encore. La 34e minute de jeu. Le gardien capitaine de l'équipe de Sahel, Mamadou Gueye, qui va écoper de carton jaune. Évidemment, le gardien qui va écoper de carton jaune. Voilà, et on va assister à ce. Surtout ce qui sera exécuté par Mamadou Lamine Sonko. Voilà, Mamadou Lamine Sonko qui va jouer et se repousser. Et ce sera notre touche toujours avec l'équipe du Sahel. Touche encore. Et c'est Sonko qui va exécuter ses remises en jeu. Oui, Moussa touche encore. C'est reparti. Ballon avec le numéro 18, Cheikh Tidiane. Finalement, ce sera un 5m50 pour Samba Balo. Khalifa Babacar qui n'a pas encore de solution. Qu'est-ce qu'il a fait, Khalifa? Khalifa touche encore pour l'équipe du Sahel. Rapidement joué, ballon toujours avec le dossard qui va changer de côté avec le marquage de Rachid de l'autre côté. Et Lamine Baldé qui coupe la trajectoire du ballon qui va jouer avec Mamadou Lamine Diatta. Mamadou Lamine Diatta qui n'a pas vu le gardien. Mamadou Gueye sortir pour écarter le danger. Mamadou Lamine Diatta, plus de vigilance. Il n'a pas vu le gardien sortir. Tous rapidement joué.
certes, ils ont perdu encore tous. Encore tous. Rapidement, j'ai encore l'équipe du Sahel qui défend très bien, qui n'est pas ici, qui ne va pas se laisser faire. Mohamed Gueye perdu encore. Ballon avec le rouge et blanc, ça tourne bien avec Sonko qui va récupérer face à Djassi. Djassi. Le joueur de l'équipe de Sahel, encore. Pousse sur la ligne médiane pour l'équipe de Sahel, repoussé par Khalifa Babacar Mohamed Rachid Ndiaye pour récupérer le ballon et qui va s'appuyer à Ousmane Diassi. Ousmane Diassi pour faire Mohamed Lamine Diatta. Malheureusement, évidemment, il va gagner un coup franc. Non, position d'hors jeu. Le ballon sera rendu à l'équipe du Sahel FC. Et c'est Pape Oumar Nying qui va dégager. Malheureusement, Baba Ndiaye est là. C'est pas fini. Ballon récupéré par l'équipe du Sahel vers le dossard numéro 7. Qu'est-ce qu'il va faire? De tourner. Malheureusement, perdu vers Yoro. Yoro qui va essayer de partir. Yoro plus vite. Yoro face à Omar. Yoro face à Omar Nying. Yoro, attention de la droite vers la gauche. Yoro, qu'est-ce qu'il va faire? Qui va centrer? Il y a Mamadou qui va donner le coup de golbi. Mamadou Gueye. Yoro, def nga li gëna metti finalement. Tu as donné le ballon au gardien. Li gëna metti la def. Omar Nying qui est couché. Omar Nying qui reste à terre. Et le gardien qui préfère sortir le ballon. Garçon coéquipier est couché. Il est blessé. Omar Nying blessé. Qui va se relever, lui, Pape Oumar Nying, et tous, qui va effectuer. Un contre un face à Baba Ndiaye. Ballon avec l'équipe du Sahel, ça tourne bien. Il va essayer de frapper complètement dévissé. Et la frappe de Biran Cissé. Modern essaie une frappe lointain, mais malheureusement non. Guiné le Kochibiti. Ballon, Samambalo. Khalifa Babacar Diouf, encore le gardien Samambalo qui va jouer avec Pape Ali Fall. Contrôle poitrine de Pape Ali. Et bien joué qui va se défendre, qui va s'appuyer avec Mortalaka. Un contre un. Amdiaye Djokhol Diop, 1-1. Mortalaka. Day dégager Balbi. Repoussé encore. Mohamed Rachid est là. Kisaba. Mohamed Rachid encore. Perdu. Récupéré par Sonko. Il glisse de Mohamed Rachid, toujours ballon avec l'équipe du Sahel qui s'abat, récupéré par Baba Ndiaye. Mohamed Baba Ndiaye vers Lamine Diatta. Mohamed Lamine Diatta, Teguinoko. Attention, Tekoy Teguiwat. Et penalty! Et penalty! Obtenu par. Non, l'arbitre ne siffle pas un penalty. Et l'arbitre n'a pas sifflé un penalty. Et l'arbitre qui désigne un point de 5m50. Et l'arbitre qui ne dit rien. Et l'arbitre qui a été très généreux ne dit rien. Et Mohamed Lamine Diatta aussi qui n'a pas écopé d'un carton jaune.
normalement c'est un penalty ou bien carton jaune à Mamadou Lamine Diatta. Ballon à Ousmane Diassi, Diassi vers Yoro, la frappe directement captée par le gardien Mamadou Gueye qui n'est pas content. Il ouvre ses coéquipiers. Normalement sur cette action ce sera un penalty ou bien un carton jaune. Soit des tirs de penalty, soit Mdjokh Mamadou Lamine Diatta zone, mais il n'a pas fait de foutu ben. On ne comprend pas cette décision de l'arbitre et coup franc pour Mortalaka. Mortala encore vers Mamadou Baba Diaye. Baba vers Khalifa Babacar Diouf. Khalifa Babacar qui s'appuie avec Mortala. Mortala qui va dégager vers Yoro encore. Attention, Dédial est perdu et ce sera un 5m50. C'est Mamadou Lamine Baldé. C'est Lamine Baldé. 5m50. Mamadou Gueye. Marquage de Yoro. Malheureusement, le gardien qui dégage. Le jaillissement de Mortala repoussé par Mohamed Rachid Ndiaye. Encore des guirnades et ce sera 5m50 pour l'équipe du CLFC. On est à la 42e minute de jeu, encore 3 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Et le gardien Mamadou Gueye qui va prendre son temps tempo pour exécuter ce touche. Ballon dégagé par Mamadou Gueye et le jaillissement est coup franc. L'arbitre qui estime qu'il y a une petite bousculade de Mortalaka sur Abdouaziz. Ballon dégagé par Omar Ndiaye vers Baba Diaye qui est là pour mettre le ballon hors du terrain et ce sera un corner pour l'équipe du Sahel de la gauche vers la droite. Minutes de jeu, toujours 0 but partout pour ceux qui nous viennent de nous prendre en cours. Nous sommes ici quand l'éclair plus connu sous le camp Idrissa Fall pour le compte du demi-finale Coupe du Sénégal Junior. Toujours 0 but partout. Et les deux équipes se donnent à fond pour le moment et pas d'ouverture du score. Et coup franc de la gauche vers la droite pour l'équipe du Sahel. Assiste à ce coup franc et Samamala qui est en train de replacer son troupe et l'arbitre qui va temporiser les arbres. Nenelen Kalmelen le Amdinako tiré et exécute coup franc corner mal tiré, complètement dehors, mal tiré, corner complètement échoué. C'est reparti, 5m50, Samba Ball vers Khalifa Babacar qui va jouer avec Mamadou Baba Diaye. Baba Diaye, qu'est-ce qu'il va faire? Baba qui va s'appuyer encore avec Khalifa Babacar Diouf vers Mortala. Mortala qui va essayer de remonter. Attention, Mortala vers Mamadou Gueye. Mamadou Lamine Diatta perdu, récupéré par Omar Ndiaye. Un bon défenseur qui est en train de faire son match. Récupéré encore Mohamed Rachid Ndiaye. Mohamed Rachid vers Lamine Baldé pour Rachid, passe ratée de Mohamed Rachid, toujours récupéré encore par l'équipe adverse sur la ligne médiane qui va essayer de repartir vers Sonko qui va essayer de jouer avec son coéquipier le dossard numéro 6 SC Biran C qui va essayer de changer centré vers le dossard numéro 10. Il y a Mortala Khalifa Babacar pour écarter le danger et ce sera 6 mètres. Plus 2 minutes de temps additionnel. Khalifa Babacar Diouf.
qui va jouer vers Yoro. Yoro qui va essayer de partir. Et penalty cette fois-ci. Oui, évidemment. Et penalty provoqué par Yoro. Sen. C'est flagrant. Cette fois-ci, l'arbitre n'a pas hésité à désigner le point de penalty pour l'équipe d'Oslo. Et bien joué à cette fois-ci. Oui, évidemment, il y a penalty. Et Yoro qui reste à terre. 2 minutes de la fin. Et l'équipe d'Oslo. Amna penalty. C'est une sortie de Yoro Sen et le défenseur. L'Altankibi, cette fois-ci, l'arbitre n'a pas désigné. Ce n'a pas hésité à désigner le point de penalty pour l'équipe d'Oslo. Et c'est lui-même qui va faire justice. Yoro Sen. Et c'est lui-même qui va faire justice. Faire justice. Penalty. Le dossard numéro 41. Penalty. Évidemment, qui va laisser le soin à Mamadou Lamine Diatta cette fois-ci, ou Mamadou Lamine Baldé, les deux Mamadou Lamine devant le ballon, qui va tirer ce penalty. Normalement, c'est Mamadou Lamine Diatta. Mamadou Lamine Diatta alias le boss face à Mamadou Gueye, le gardien de l'équipe. L'arbitre, il y a des joueurs qui n'ont pas droit à entrer dans la surface de réparation. Ils ont droit à Dougoutibir, Fiektor, une pénalty. Ouvrant à la 46e minute de jeu, Mamadou Lamine Diatta face à Mamadou Gueye de l'équipe du Sahel. Est-ce qu'il va marquer ce penalty? Et l'arbitre qui va siffler Mamadou Lamine Diatta qui s'élance pour tirer. Il s'élance. Tahouna. Il fera face à Mamadou Gueye, le gardien de l'équipe du Sahel, qui est en train de bouger pour essayer de déstabiliser le tireur. Mamadou Lamine Diatta qui s'élance, qui frappe. Et c'est l'ouverture du score de Mamadou Lamine Diatta, Léon Rabos, qui permet à l'équipe d'Oslo d'ouvrir le score. Qui permet à l'équipe d'Oslo de mener 1-0 ici au temps. L'éclair, 1-0 pour l'équipe d'Oslo. Voilà, Mamadou Lamine Diatta. C'est un beau tireur. Lui, Mamadou Lamine Diatta, le boss. Lui, pour rappel que c'est lui le deuxième meilleur buteur du championnat Sénégal avec 13 réalisations. C'est Abdouaziz de l'équipe d'Izo qui est le meilleur buteur. Mamadou Lamine Diatta, meilleur buteur, le deuxième meilleur buteur avec 13 réalisations. Voilà, qui vient d'ouvrir le score sur un penalty bien tiré qui permet aux Siens de mener 1-0 face à l'équipe du Sahel FC. Voilà, on est à la 47e minute. Et vraiment, c'est la fin. Du temps, l'arbitre qui va essayer de partir, encore Yoro Koufnabalbi qui va essayer de partir, encore la frappe repoussée encore par le gardien. Il a raté le 2-0. C'était le 2-0, malheureusement. Non, c'est pas fini. Lamine Baldé de la droite vers la gauche. Lamine Baldé qui va centrer. Et c'est pas si c'est repoussé. Encore la frappe de Mohamed Gueye. Complètement repoussé par le défenseur. Et ce sera la mi-temps. L'arbitre qui vient renvoyer les 22 acteurs à rejoindre l'adversaire. Et c'est l'équipe d'Oslo qui mène 1-0, but marqué par Mamadou Lamine Diatta sur un penalty provoqué par Yoro Sen. 1-0 à la pause ici pour le compte du demi-finale Coupe du Sénégal Junior. Oslo mène ici au camp Leclerc, plus connu sous le nom de Cephal. 1-0. Voilà, bonne option. L'équipe d'Oslo a 1,5 pied en finale. Et c'est bien une bonne option. Aller en pause avec un léger avantage. Penalty marqué par le Mamadou Lamine Diatta alias le boss, provoqué par Yoro Sen. Et c'est bien tiré. Quant à moi, je vous reviens dans quelques poignées de minutes pour cette deuxième partie de cette rencontre. Merci beaucoup tout à l'heure.
là. Voilà, merci beaucoup. De retour ici au stade terrain Leclerc pour le compte du demi-finale Coupe du Sénégal Junior pour la deuxième partie de cette rencontre. C'est l'FC mené au score 1-0 face à l'équipe d'Oslo. Le coup d'envoi sera donné par l'équipe d'Oslo. Cette fois, il rappelle que c'est l'équipe d'Oslo qui mène 1-0. But marqué par Mamadou Lamine Diatta sur un pénalty provoqué par Yerosen. Et c'est reparti à l'instant même. Ballon dégagé et c'est récupéré par l'équipe du CLFC avec son dossard numéro 4, Biran Diouf, qui va jouer avec son défenseur central, Omar Nyingu, du moins. Ballon avec l'équipe du CL qui essaie de démarrer fort avec le marquage de l'équipe du CL d'Oslo. Est sorti. Ce sera une touche pour l'équipe d'Oslo. C'est un ballon qui va jouer avec. Khalifa Babacar pour Mohamed Baba Ndiaye. Attention, passe ratée de Baba Ndiaye vers Bob Gueye qui vient d'entrer. Ballon pour Yerosen. Ballon encore pour Bob Gueye. Bob Gueye pour Baba Ndiaye, Baba Ndiaye pour Khalifa Babacar Diouf. Khalifa Babacar qui va changer vers Pape Ali Fall. Pape Ali Fall contrôle vers Ousmane Diassi. Ousmane Diassi sur la ligne médiane. Ousmane Diassi qui va essayer de partir. Diassi encore, toujours qui se bat. Il préfère revenir en arrière vers Khalifa Babacar Diouf. Baba Ndiaye encore contrôle qui va s'appuyer avec Bob Gueye. Bob Gueye. Bob Gueye encore, pas de solution. Il préfère revenir en arrière. Encore à la demande de Bob Gueye qui est venu récupérer vers Rachid Ndiaye. Rachid pour Mortalaka, Mortala pour Pape Ali Fall, Ousmane Diassi. Ousmane Diassi qui récupère le ballon, qui va essayer de partir de la gauche vers la droite, encore qui s'appuie sur Pape Ali Fall. Et ce sera tout ce pour l'équipe du Sahel. Bob Gueye qui est entré à la place de Mamadou Lamine Baldé, du moins. Baldé remplacé par Bob Gueye. C'est le seul changement effectué pour le moment. Khalifa Babacar, attention, seul perdu, récupéré par Pape Mortalaka qui va dégager encore Mohamedou Gueye pour Khalifa Babacar. Bob Gueye encore qui récupère le ballon vers Mohamedou Gueye encore. Ousmane Diassi, Ousmane Diassi vers Pape Ali. Qu'est-ce qu'il va faire, Mamadou Lamine Diatta? Un contrôle qui marche bien. Attention! Est perdu. Et ce sera en 5 ans pour l'équipe du Sahel. Et Mamadou Gueye qui laisse à Omar Nyingu effectuer. C'est Damdou qui va dégager.
Et Khalifa Aboubakar qui est là pour bien défendre, pour écarter le danger. Je rappelle que c'est l'équipe d'Osso qui mène 1-0 à la pause, à la 46e minute de jeu, sur un penalty marqué par Mamadou Lamine Diatta. Touche Dame Diop. Marquage. Et c'est récupéré. Attention et coup franc. L'arbitre qui laisse jouer l'avantage. Bob Gueye qui récupère le ballon. Bob Gueye, attention, passe ratée. Mohamed Rachid, marquage toujours avec l'équipe du Sahel qui va essayer de partir. Sahel essaie de dégager par Motaka et ce sera un coup franc. Coup franc. Un coup franc de à peu près 30 mètres. Pour l'équipe du Sahel. Un coup franc et l'arbitre qui est en train de placer le mur. Et Samba Mbalo qui est en train de placer son mur. Qui va tirer son coup franc. Du côté de l'équipe du Sahel. Et l'arbitre qui est en train de discuter avec les joueurs de l'équipe d'Oslo. Qui va tirer ce coup franc entre Cheikh Tidiane Koli, directement capté par Samba Mbalo. Sans danger, rapidement joué. Ballon. Baba Ndiaye qui va jouer avec Lamine Diatta est perdu, ce sera une touche qui sera exécutée par Mamadou Baba Ndiaye vers Bob Gueye. Dello Koko Tadjel Koko Khalifa Babacar encore pour Samba Mbalo. Samba qui va dégager complètement. Il n'y a personne dans l'attaque, il n'y a personne. Et qui préfère jouer à son gardien Mamadou Gueye, le gardien capitaine de l'équipe du Sahel vers Omar Ning. Omar avec le marquage de Yoro. Marquage de Yoro, toujours avec l'équipe du Sahel. Touche, passe ratée, et ce sera un touche pour l'équipe du Sahel. Balbeguen, passe ratée. Encore. Touche de Mamadou Baba Ndiaye vers Bob Gueye. Baba encore pour Bob. Bob qui préfère jouer à Mortalaka. Mortala qui récupère le ballon et qui s'appuie sur Pape Ali Fall. Pape Ali encore sur Mohamed Gueye. Mohamed Lamine Diatta qui va essayer de sortir de la gauche vers la droite. Ce sera non. Ballon toujours avec l'équipe du d'Oslo. Ballon encore pour la frappe contrée. Attention, deuxième tentative de Diassi. Diassi qui perd le ballon finalement. Et l'arbitre qui ne dit rien. Toujours ballon contre Poitine récupéré pour Mortalaka. Mortalaka encore vers Pape Ali Fall. Pape Ali et tackle. Ce sera finalement une touche pour l'équipe. Pour l'équipe d'Oslo, ballon toujours. Encore Khalifa Babacar Douf. Khalifa Babacar pour Bob Gueye. Bob qui va jouer avec Baba Ndiaye. Baba qui va essayer de sortir. Ça fait trop et il n'y a personne pour recevoir le ballon. Et finalement, ce sera un touche pour l'équipe. Pour l'équipe d'Oslo. Ballon encore. Marquage Khalifa Babacar qui récupère le ballon. Khalifa pour Bob Gueye. Ça repart du côté de l'équipe d'Oslo. Bob Gueye qui préfère jouer à Mohamed Rachid Ndiaye. Mohamed Rachid pour Mortalaka. Ballon complètement change, qui va changer de côté vers Yorosen. Il y a Bob qui est là. Là, c'est perdu. Encore. Marquage de Yoro. Qui récupère le ballon. Yoro à Bob. Bob à Baba. Baba. Baba qui se bat. Baba qui se bat. Finalement, duel perdu. Et final, ce sera un touche. Ballon
Et bon, Hamadou Gueye qui coupe la trajectoire pour mettre le ballon. Burhan Diop qui va jouer. Ballon toujours avec l'équipe du Sahel qui va essayer de partir. Avec le dossier numéro 4, Ablaye Cissé perdu. Bob Gueye est là pour récupérer le ballon. Encore Mohamed Gueye. Mohamed Gueye pour Rachid. Ça combine très bien. Ousmane Diassi. Ousmane Diassi vers Pam Ali de l'autre côté. Diassi encore sur la ligne médiane. Diassi pour Mohamed Gueye est perdu. Perdu, trop de gâchis. Pas de finition. Mohamed Rachid est là sur la ligne médiane. Et coup franc. Et coup franc. Déjà 8 minutes de jeu. Déjà 8 minutes de jeu. Ballon. Khalifa Babacar Diouf. Pour Bob Gueye. Khalifa Babacar encore. Mohamedou Gueye. Mohamedou Gueye pour Pape Ali Fall. Pape Ali. Qui s'appuie encore sur Mohamedou Gueye. Il va essayer de jouer vers Yoro Sen. Yoro de la gauche vers la droite. Yoro qui va centrer. Faire Bobo de la Mediata, remise avec la tête. Attention, la trébuchée, Libop. Encore perdu. Il va essayer de partir. L'équipe d'SL qui va essayer de partir. Contrôle 3 contre 3. 3 contre 3. À l'entrée, à la soirée, au fond. Et c'est la réalisation de l'équipe du SL. C'est la réalisation de l'équipe du SL. La frappe qui bat Samba Malo, qui ne peut rien dans cette action. Un but partout. Et c'est Mohamed Diallo qui permet à l'équipe du Sahel de revenir au score. Un but partout. À 55 minutes de jeu, c'est l'égalisation de l'équipe du Sahel, but marqué par Mohamed Diallo qui remet les pendules à l'heure. Changement du côté de l'équipe du Sahel, la sortie de Sahar, Grand Cissé et l'entrée de Raymond Diémé. Voilà, et c'est Grand Cissé qui cède sa place à Raymond Diémé de Sahar, numéro 8 du côté de l'équipe du Sahel. Parti, ballon encore, Ousmane Diassi vers Yoro. Jaïssement de Mohamed Rachid vers Bob Gueye. Ballon encore, passe contrôle raté de Bob Gueye vers Baba Ndiaye. Et ce sera un coup franc. Rapidement joué, Bob Gueye. Ballon. Khalifa Babacar Diouf pour Samba Balo. Samba pour Mortala. Mortala préfère jouer à Khalifa Babacar encore. Khalifa Babacar à Bob Gueye. Bob qui va essayer de partir. Bob Gueye pour Baba Ndiaye. Baba qui va essayer de partir. Bob pour Ousmane Diassi. Ousmane Diassi encore de la droite vers la gauche qui va essayer de centrer. Repoussé par la défense. Et ce sera un touche pour l'équipe d'Oslo. Touche encore. Ballon rapidement joué. Ousmane Diassi. Pour Khalifa Babacar Diouf. Khalifa Babacar Diouf Mortala. Il va changer vers Pape Ali Fall. Pape Ali qui n'a pas de solution. Il va s'appuyer vers Mortala encore. Perdu. Récupéré encore. Mohamed Rachid est là. Trio Pape Ali Fall. Mohamed Rachid.
Khalifa Babacar Diouf et ce sera un tous. Il va se coucher. La partie actuellement interrompue. Un joueur de l'équipe Bissel est blessé, qui reste à terre. Et un autre changement qui se prépare du côté de l'équipe d'Oslo. Apparemment, c'est Baba Diaye qui va sortir. La place de Jean-Pascal Mendy qui va prendre la place de Baba Diaye. Évidemment, c'est Baba Diaye qui cède sa place à Jean-Pascal. L'entrée de Jean-Pascal. Touche exécutée vers Mortalaka. Mortala vers Samambalo. Samambalo pour Khalifa Babacar Diouf. Khalifa Babacar encore pour Samambalo. Samba qui va dégager et se repousser par la défense. Mamar Rachid est là pour récupérer le ballon sur la ligne médiane. Jean-Pascal. Jean-Pascal pour Bob Guy. Bob qui va essayer de partir. Bob de la gauche vers la droite. Bob qui va changer de côté. Ballon. Attention, contrôle. On a la frappe. Et se repousser par le gardien. C'est pas fini. Encore. Belle claquette de Mamadou Guy. Encore. Ballon toujours. Récupéré. Et Bob qui. Mamadou Guy qui coupe la trajectoire du ballon. Pour Mohamed Rachid Ndiaye. Rachid. Mohamed Rachid. Pour Bob encore. Bob. Pour Mohamedou Gueye. Mohamedou Gueye qui va changer vers Pape Ali Fall. Pape Ali. Ousmane Diassi. Diassi sur la ligne médiane. Et coup franc. Et l'équipe d'Oslo qui va essayer de revenir. D'entrer dans le match. Ils sont dans leur match pour le moment. Malgré l'égalisation de l'équipe d'Israël, un but partout pour le moment. Encore, c'est Bob sur la ligne médiane. Bob Guy, pas de solution. S'appuie sur Mohamedou Gueye pour Mortala, qui va jouer avec Pape Ali Fall. Pape Ali, Mohamedou Gueye encore. Bob Guy, pour Jean-Pascal, qui va essayer de partir. Qui pique sur le gardien, Mohamedou Gueye encore, qui gagne son duel face à Jean-Pascal Mendy. Qui met le ballon hors du terrain. Et Mohamedou Gueye, qui est en train de faire son match, qui est très présent ce soir, qui est en train de sauver les siens. Touche exécutée, Bob Guy. Bob pour Ousmane Diassi. Diassi et coup franc. Coup franc de 30 mètres pour l'équipe d'Oslo sur Ousmane Diassi. Et le gardien de l'équipe de Sahel qui est en train de sauver les siens. L'arbitre Nenko Ñowatal, Tegal Balbi. Et à la 62e minute de jeu, un but partout. Et c'est l'égalisation de l'équipe de CLC. Mohamed Dabo, le sort numéro 7. Coup franc pour l'équipe de Sceaux qui sera tiré par Mortalaka ou Jean-Pascal qui va tirer ce coup franc. Je rappelle qu'en premier, c'est l'équipe Dakar Sacré-Cœur qui bat le Casa 1-0. Coup franc exécuté sur le barrage. Encore Jean-Pascal. Jean-Pascal pour Pape Ali Fall. Pape Ali. Pape Ali qui s'abat, perdu, récupéré. Encore toujours, il y a Pape Ali qui protège son ballon pour gagner une touche. Et le joueur de l'équipe du Sahel qui est couché. Arbi Bankoy Khol reste à terre.
Je l'ai dit tout à l'heure en premier, c'est l'équipe Dakar Sacré-Cœur qui bat le Casa 1-0. Et tous exécutés par Pape Khalifa vers Mohamedou Gueye, Khalifa Babacar Diouf, Khalifa par de solution sur la ligne médiane qui préfère remettre le ballon à Pape Khalifa finalement. Abdouaziz Kandé, toujours marquage de Mohamedou Gueye, pas de solution par Mortalaka perdu. Mohamedou Gueye qui récupère le ballon. Rachid pour Mortala qui préfère jouer à son gardien Samba Balo. Samba encore pour Pape Ali. Pour Mortala Kadima, Mortala pour Pape Ali. Ousmane Diassi. Non. Pas de combinaison parfaite. Et Mohamedou Gueye qui couche sur le ballon. Ballon, la remise en jeu de Mohamedou Gueye. Il va dégager. Et Khalifa Babacar, le trajectoire, le duel. Encore, qui gagne le duel. La frappe! Abdelaziz Kandé qui double la mise pour l'équipe du Sahel, 2-1. Voilà, et c'est l'équipe du Sahel qui mène 2-1 et la frappe d'Abdelaziz Kandé qui double la mise et c'est l'équipe du Sahel qui renverse la tendance ici au Stade Leclerc, ici au camp Idrissa Fall. C'est l'équipe du Sahel qui renverse la tendance. Il va récupérer un cadre en zone. Forcément, après avoir enlevé son maillot, l'équipe d'Oslo complètement à côté, méconnaissable. Complètement à côté. Voilà. Ballon encore pour Samba Balo. Samba Balo pour Khalifa Babacar. Ballon encore pour Mortalaka qui va essayer de jouer et c'est l'équipe de celle qui va couper la trajectoire encore et le marquage de Mortalaka. Un coup franc. Complètement, l'équipe de celle est complètement à côté. Minutes de jeu et coup franc pour l'équipe du Sahel. On va assister à l'instant même. Coup franc sera tiré encore, se repousser par Khalifa Babacar. Ballon Ousmane Diassi. Ousmane Diassi qui va essayer de partir. Diassi encore. Ousmane Diassi encore pour Mohamed Rachid Diaye. Et coup franc, sur la ligne médiane. Et le joueur de l'équipe du Sahel qui reste à terre. Un coup franc. Coup franc rapidement joué vers Bob Gueye. Bob Gueye qui va essayer de centrer directement capté par Mohamedou Gueye dans les airs. Mohamedou Gueye qui capte le ballon dans les airs.
C'est l'équipe du Sahel qui renverse la tendance ici. C'est le dégagement du gardien. Ballon encore. Jean-Pascal est en position de jeu. Le changement, le changement du côté de l'équipe. On va effectuer un nouveau changement. Le Diallo qui va effectuer son entrée à la place de Mohamed Rachid et pousse fraîcheur à l'instant même. L'arbitre qui vient de renvoyer les 22 acteurs à se rafraîchir. Normalement, c'est Diallo qui va entrer à la place de Mohamed Rachid Guessoum Ndiaye. Pousse fraîcheur à l'instant même et c'est l'équipe du Sahel qui mène 2-1. Un renversement de tendance. L'équipe d'Oslo complètement à côté en cette deuxième période. L'équipe d'Oslo est méconnaissable en cette deuxième partie. Les joueurs, les hommes de Amadou Falane complètement sont passés complètement à côté. Et la sortie de Mohamedou Gueye alors qui cède sa place à Pape Malick Sall. Également, ce sont les deux changements, sortie de Mohamed Rachid et Mohamedou Gueye, entrées respectives de Seigne Fallou Diallo et Pape Malick Sall, justement pour renforcer l'attaque. On est à la 70e minute de jeu et c'est l'équipe du Sahel qui mène 2-1. Marqué par Mohamed Dabo et allons dans les airs et c'est repoussé par la défense de l'équipe du Sahel. Marquage de Seigne Fallou perdu encore. Heureusement, et c'est sorti de touche exécuté par Pape Ali Fall vers Mortalaka. Qui va effectuer la remise en jeu vers Mohamed Lamine Diatta, perdu, récupéré encore. C'est lui l'autre buteur de Dessart, numéro 12, Abdelaziz Kandi. Encore, ballon récupéré sur la ligne médiane par Yorosel et ce sera un coup franc. C'est Pape Malick Sall rapidement joué. Bob Gueye pour Yoro. Yoro qui perd le ballon encore et c'est reparti avec le dossard numéro 15 qui va essayer de repartir. Abdoulaye Cissé face à Khalifa Babacar perdu, récupéré encore par Yoro. Yoro passe, il y a Jean-Pascal, il y a Pamali Sall qui va effectuer avec Ousmane Diassi qui perd le ballon et touche pour l'équipe. Attention, une touche perdue par Seigne, récupérée, touche exécutée par Seigne Fallou Diallo. Encore, il s'est entré complètement à côté. Et ce sera 5,50 m pour Mohamedou Gueye. Douzième minute de jeu. Changement du côté de l'équipe du Sahel. Et c'est la rentrée du dossard numéro 14, Daouda Diallo. Et c'est dossard numéro 14, oui, Daouda Diallo.
qui va prendre la place d'Abdoulaye Cissé. Abdoulaye Cissé qui sorti, qui cède sa place. Voilà. Et c'est Mamadou Gueye, maintenant le gardien de l'équipe du Sahel, qui va effectuer son dégagement de 5,50 m pour l'équipe du Sahel. 73e minute de jeu. C'est maintenant tiré, toujours, encore récupéré, encore par le Sahar numéro 14. Bah, Khalifa Babacar est là. Khalifa est là, qui va jouer vers Bob Gueye. Frappe contre. Et ce sera un tour pour l'équipe d'Oslo. Daouda Diallo, encore contre le poitrine, perdu, récupéré par Seydou Fallou, perdu encore, qui s'abat encore, et ce sera un coup franc. Qui sera tiré par Mamadou Lamine Sonko. Coup franc sera tiré par Mamadou Lamine Sonko, qui va centrer ce coup franc et la sortie de Samba Mbalo. Position d'orge signale à l'arbitre. Et Samba qui va jouer rapidement. Ballon. Et ce sera. Franck touche rapidement, j'ai Mortalaka qui va jouer vers Pam Malik Sall. Et c'était trop haut. Et coup franc encore sur le défenseur de l'équipe du Sahel. Encore 15 minutes à jouer. On est à la 75e minute de jeu. Encore 15 minutes à jouer. Et c'est l'équipe du Sahel qui mène 2 buts à 1. S'est relevé. Et c'est Mamadou Gueye qui va jouer son coup franc. Le gardien, capitaine de l'équipe du Sahel. Et à la 76e minute de jeu, le dégagement du gardien, encore perdu, encore c'est reparti, encore la frappe au-dessus de la barre transversale de Mamadou Lamine. C'est Mamadou Lamine Dabo qui manque le 3 buts à 1. C'est au-dessus. Rapidement, 5,50 m pour Samba Mbalo. Pour Mortalaka, encore, qui va jouer Yoro. Et la balle sera Ousloïs. Ousmane Diassi pour Diallo, Jean-Pascal, et c'était trop court, attention, centré, encore Mortalaka qui récupère le ballon, Ousmane Diassi encore, Diallo, l'équipe d'Oslo
C'est complètement perdu. Et c'est dégagé encore par la défense de l'équipe de se repousser par Khalifa Babacar. Coup franc pour l'équipe du Sahel. Changement de côté. Et Jean-Pascal coupe la trajectoire du ballon vers Mohamed Lamine Diatta. Et heureusement, ça coupe très bien. Bob Gueye est là. Bob, c'est Khalifa Babacar qui va dégager. Ce sera 5 mètres 50. Encore Samba Mbalo rapidement à Mortala pour Pape Ali. Pape Ali Fall. Encore une deux ratée. Récupéré sur la ligne médiane par l'équipe adverse de Koy Guinewat directement avec le dossier numéro 8. L'équipe d'Israël toujours tient très prenant. Ballon encore, c'est reparti avec le dossier numéro 14. Le marquage de Jean-Pascal. Le marquage de Jean-Pascal face à Dame Diop. Daoud Diallo à Dame Diop. Centré et se contré par Jean-Pascal Mendy. Et ce sera un touche. Encore. Daouda Diallo, le dossard numéro 10. Tidiane Seribre, la frappe lointaine, directement captée par Samba Mbalo. Dégagé vers Pape Malick Sall. Yoro, et la sortie de Mamadou Gueye qui couche sur le ballon. Il a poussé sur le ballon. Le dégagement. Ali Fall. C'est Fallou Diallo perdu. Et la balle sera. Ousloïs encore pousse. Rapidement, j'ai Morta Alaka. Il va effectuer encore vers Yoro. Yoro de la gauche vers la droite. Un contre un. Yoro, qu'est-ce qu'il va faire? Yoro, encore. Il part de solution. Complètement dessus. Encore 10 minutes à jouer. On est à la 80e minute. De jeu, encore 10 minutes pour l'équipe de Sceaux de revenir au score. Mamadou Gueye qui va dégager. Encore le jaillissement de Jean-Pascal. Et touche pour l'équipe d'Israël. Encore effectué directement vers le dossard numéro 17. Cheikh Ibrahim Gueye qui va centrer et capté par Samba Mbalo qui va dégager rapidement vers Pape Malick Sall. Trop court et se repousser encore par la défense de l'équipe d'Israël. Encore Daouda Diallo qui va jouer et contrôle raté, récupéré encore par l'équipe de Sceaux. Khalifa Babacar et coup franc sur Yoro Sen. Coup franc. Rapidement joué. Pape Ali Fall. Morta Alaka. Il va essayer de changer vers Jean-Pascal. Il va dévier. Lamine Diatta. Diatta, attention. Jean-Pascal. Oh, coup de la tête raté. Et ce sera 5 mètres 50. Encore. Encore, ce sera en 5 mètres 50. Et Mamadou Gueye encore.
le gardien qui est très présent ce soir, qui a sauvé son équipe à plusieurs reprises, qui va effectuer ce dégagement. Encore poussé par Jean-Pascal. Touche pour l'équipe de Jean-Pascal, pour Khalifa Babacar. Khalifa Babacar pour Mortalaka. C'est reparti, il faut essayer de repartir. Pape Ali, Diassi, Ousmane Diassi, pas de solution. Une deux, vers Yoro. Yoro qui va essayer de partir de la droite vers la gauche. Yoro qui va faire cette retraite, trop haut. Et c'est trop haut, Yoro. Et c'était trop haut. Encore un quatrième changement pour l'équipe du Sahel qui va s'effectuer dans quelques minutes. Voilà, on va jouer, le changement va s'effectuer, va s'opérer d'une minute à l'autre. Et tout ça pour l'équipe du Sahel. Encore 7 minutes à jouer. Changement. Le chef de l'œil. L'entrée de Abdou Kadir Ndiaye. Également la sortie. Mohamed Dabo. L'entrée de El Hadj Babacar Diouf. Ce sont les deux changements du côté de l'équipe du Sahel. FC. Touche. Oh. Alors, c'est reparti. Khalifa Babacar. On va jouer avec Bob Gueye. Bob pour Fallou Diallo. Seigne Fallou. Khalifa Babacar pour Mortalaka. Faut essayer de repartir. Mortala. Diassi, pas de solution. Ah. Seigne Fallou qui va centrer vers Pape Malik. Et Pape Ali. Ballon encore récupéré. Et ce sera l'équipe de Sahel FC qui va essayer de partir. Encore. Avec le dossard numéro 2, encore marquage de Seigne Fallou, et ce sera un coup franc pour l'équipe du Sahel. On est à la 85e minute de jeu. Repoussé par la défense. Et Bob, toujours ballon pour les rouges et blancs. Jean, marquage de Jean pour récupérer le ballon. Jean-Pascal qui va essayer de repartir. Et Koufa. Et les supporters ne sont pas contents. Et l'arbitre qui siffle un coup franc pour Jean-Pascal Mendy. Et Seigne Fallou qui va effectuer le jeu rapide vers Bob Gueye. Bob Gueye qui va jouer avec Pape Ali Fall de l'autre côté. Ousmane Diassi qui va centrer. Et capté par Mohamed Gueye. Très présent. Normalement l'homme du match du côté de l'équipe du Sahel. Pour récupérer le ballon, pas de solution, est perdu. Encore c'est reparti pour les rouges et blancs. Contrôle poitrine de Mortala vers Khalifa Babacar qui laisse le ballon à Jean-Pascal. Jean-Pascal pour Khalifa Babacar encore qui va remettre le ballon dans le paquet. Pas de solution.
le gardien. Le dégagement du gardien. Le pousser encore Ousmane Diassi. Diassi qui va essayer de repartir pour l'équipe d'Oslo vers Pape Malick Sall. Contrôle raté. Pape Malick Sall. Qui n'est pas encore là. Non, ça, mais ce sera un coup franc encore. Rapidement joué. Khalifa Babacar. Khalifa. Qui va jouer avec Yoro qui va centrer. Encore repoussé par la défense. Jean-Pascal pour mettre le ballon. Dans le paquet encore. Ballon. Et c'est dégagé cette fois-ci. Khalifa Babacar. Encore qui récupère le ballon. Rivagé avec Mortalaka. Mortala pour Pape Ali. Pape Ali. Pape Ali qui va essayer de repartir. Pape Ali qui va essayer de repartir. Et coup franc. 2 minutes à jouer. On est à la 88e minute de jeu. Et tacle glissé. Ce sera une touche. Rapidement joué. Encore Seydou Fallou qui va centrer. Encore repoussé. Et l'équipe d'Oslo qui pousse. Qui pousse encore. Ils vont essayer de pousser. Yoro qui va partir. Et coup franc. Et coup franc pour l'équipe du Sahel. Normal. 4 minutes de temps additionnel. 4 minutes de temps additionnel. On va jouer encore. Dame Diop qui reste à terre. Et Dame Diop qui reste à terre. Dame Diop qui va sortir. On va assister à ce coup. 4 minutes à l'équipe de son de revenir contre Patrick et Orjo. Le dégagement de Samba Balo. Encore repoussé par la défense. Daoud Diallo qui va partir. Il y a position d'Orjo, évidemment, il y a Orjo. Il y a Orjo. Et Samba Balo, c'est lui-même qui va venir dégager le ballon. Avec les Ambagnac, le ballon toujours récupéré. Alors, Mohamed Lamine Diatta, la frappe de Mohamed Lamine Diatta à côté. Et c'est touché par Mamadou Gueye. Ce sera un corner pour l'équipe d'Oslo. Ce sera un corner pour l'équipe d'Oslo. De la droite vers la gauche. Corner exécuté. C'était trop haut. C'était trop haut. Ah, il est fait. Ballon encore, c'est reparti. Du côté de l'équipe du Sahel. Ballon encore. Perdu. Et il y a Diassi qui va essayer de partir, qui s'appuie sur Bob Gueye. Bob, il va jouer encore Pape Ali, Seydou Fallou Diallo, qui va remettre le ballon dans le paquet. Mohamed Lamine Diatta, il est trop court, regarde, il y a ballon, encore ballon. Ballon toujours, Mohamed Lamine Diatta, perdu cette fois-ci. Ballon s'est dégagé par la défense de l'équipe du Sahel. Encore 2 minutes à jouer. 2 minutes sont écoulées, 2 minutes sont écoulées. Reste encore 2 minutes à jouer. Ballon avec le dossier numéro 11. Abdou Khari Diaye. Pour Daro Diallo. Daro Diallo, ça combine très bien entre Abdou Khari et Daro. Ça combine très bien. Et poussons pour l'équipe du Sahel. Poussons pour l'équipe du Sahel.
Taoura Diallo pour qui récupérer par Jean-Pascal et Poufant Khalifa Babacar qui va jouer avec Mortala. Yoro qui va contrôler, Yoro qui va essayer de partir, Yoro et retrait. Il n'y a personne. Et capté par Mamadou Gueye en deux temps. Et capté par Mamadou Gueye en deux temps. Encore une minute à jouer. Une minute. Et c'est l'équipe de ce l'aventure s'arrête normalement ici. Ballon. Encore récupéré et sera en touche. C'est Fallou Diallo. Encore Pape Ali qui va se repartir l'une des dernières occasions. Encore. Ballon. C'est la fête dans les gradins. Capté par Mohamed Gueye. Et c'est la fin, victoire du CLFC, éliminé 2-1, et c'est l'équipe de Sèvres qui renverse la tendance ici au stade Idrissa, dans l'éclair nommé Idrissa Fall. Victoire de l'équipe du Sèvres, et l'aventure s'arrête ici pour l'équipe de Westlo en demi-finale Coupe du Sénégal Junior. Et c'est la fin, nous allons rendez-vous très prochainement. Merci beaucoup, bye bye.